Alors, en fait, j'ai toujours chanté parce que quand on fait de la musique, ça fait partie, même à l'école, quand on est au conservatoire, il y a une classe de solfège où on chante. Ça fait partie de la formation, on va dire, de la musique. On n'apprend pas juste un instrument, on fait du solfège, on fait de l'analyse musicale, de la chorale. Il y a plein de classes qui font la formation du musicien. Mais alors, ce qui est venu plus tard, c'est d'avoir envie de chanter des chansons, mais plus, enfin, j'ai envie de dire, c'était pas chanter pour chanter, c'était j'avais envie de chanter mes chansons, j'avais envie de me servir de ça pour raconter des choses que je ne pouvais pas faire avec le violon. Voilà, donc c'est venu, on va dire, à mi-parcours. Beaucoup d'auteurs, c'est une évidence parce que c'est ma famille artistique, que ce soit Benjamin qui est violet, qui a écrit des textes, Marie Bastide, ben, c'était la rencontre dans le circus, elle a écrit des textes dans le circus. Élodie, en fait, je suis allée la chercher parce que je trouve que c'est un auteur incroyable, elle est très très sensible, très féminine. C'est la seule que je connaissais pas personnellement et je suis allée chercher. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Il a fallu que je me livre un petit peu à elle pour qu'elle puisse écrire et que ça soit proche de moi. Il y a Dorian c'est mon ami. Voilà, on a travaillé, ça fait des années qu'on se connaît. Et avec Irène, enfin voilà, c'est vraiment la famille. Avec Élodie, on a fait les deux exercices. C'est-à-dire que je lui ai donné des musiques et elle a écrit les textes et elle m'a donné des textes. Je trouve que c'est assez différent comme travail et assez intéressant. Écrire la musique, voilà, c'est devenu quelque chose d'assez naturel, mais on a toujours un peu le même flow, on a toujours le même. Les influences du moment sont très importantes et du coup, le fait qu'elle m'envoie un texte d'abord. Du coup, ça cassait un petit peu ses habitudes parce que le nombre de pieds n'était pas forcément celui que j'avais l'habitude d'avoir dans la tête. Donc, c'était assez intéressant. Je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre. Bah, j'espère qu'il y aura d'autres albums et peut-être qu'à ce moment-là, j'irai voir d'autres horizons et d'autres univers. Mais c'était une évidence, c'était avec lui que je voulais le faire et personne d'autre. Il a accepté, oui, après facilement, il est très demandé, il est très pris et c'est vraiment un magnifique cadeau qu'il m'a fait justement de prendre le temps dans son emploi du temps pour faire cet album. Mais bon, je crois que c'était notre destin comme il l'a dit. C'est vertigineux parce que c'est des grandes salles, c'est tellement accompli, il est tellement... incroyable, je suis sûre qu'il va y avoir un spectacle incroyable sur scène. Du coup, c'est une grande pression, mais j'essaierai d'être à la hauteur de ce cadeau. Oui, j'y ai beaucoup pensé déjà. Je vais essayer de coller le maximum à l'album parce que les gens ne me connaissent pas et que, en tout cas, ne connaissent pas mes chansons. Donc, je veux qu'ils découvrent mon univers. Pour pouvoir le retrouver dans l'album. Maintenant, on sera que deux sur scène, donc c'est. Voilà, on va trouver des arrangements, ça va être chouette. C'est bien excitant. C'est difficile pour moi de dire j'arrête ça pour faire ça. J'ai jamais fonctionné comme ça dans toute ma vie de musicienne. J'ai toujours fait. Les choses que j'avais envie de faire, j'ai les opportunités de partir sur des tournées avec les artistes. C'est comme ça que j'ai appris mon métier. Ça serait quand même bête de dire j'arrête tout ce que j'ai appris, c'est bon, merci. Et puis maintenant, j'espère que je vais pouvoir continuer à faire les deux. Et ça équilibre aussi. C'est difficile, je pense, entre deux albums, qu'est-ce qui va se passer, l'inspiration. Donc de continuer à être musicienne et d'aller sur scène et d'accompagner d'autres gens, c'est aussi une source d'inspiration. Donc non, je continue.